personne ne savait quand la guerre finirait. Nous nous étions dit, Stravinsky et moi, puisqu'il n'y a plus de théâtre, pourquoi ne pas écrire ensemble une pièce dont la musique ne comporterait que peu d'instruments et n'aurait que deux ou trois personnages? Nous aurions notre théâtre à nous. Pourquoi est-ce que Stravinsky et Ramu en sont arrivés à faire cette œuvre de musique de chambre, tout petite? Stravinsky arrivait du Sac du Printemps, arrivait de Petrouchka, arrivait de L'Oiseau de Feu, qui sont des œuvres pour des gros, gros orchestres énormes. Entre danger de Neuzy. C'est une œuvre qui est parlée, jouée, dansée. À cette époque-là, c'est complètement nouveau. Un style de théâtre musical qui n'existait pas avant. 10 centimes le point. Non, 2 francs le point. Pas un sou de moins. La musique de Stravinsky est une chose très, très sophistiquée puisque c'est tout le temps des contretemps. Il s'en va droit devant lui. Et il s'en va droit devant lui. L'histoire du soliste n'était pas du tout facile à jouer. Les gens pensent que c'est des rythmes intellectuels. Pas du tout. C'est de la danse. C'est une majeure dans l'œuvre de Stravinsky, mais aussi dans l'histoire de la musique, qui a inspiré beaucoup d'œuvres qui viennent après.